Salut à tous, bienvenue sur TV7. Cette semaine, ça part en live, pose ses amplis en plein cœur du quartier des Bassins à Flots à Bordeaux. Un quartier en pleine mutation, il se passe plein de choses, notamment l'arrivée du Loft 33 qui nous accueille cette semaine. Et pour la musique, c'est le trio de folk bordelais Willows qui s'y colle. TV7, ça part en live au Loft 33, c'est maintenant. Enfin aujourd'hui trio, Willows est notre invité cette semaine dans Ça part en live. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Si tu présentais le groupe, Émilie. Tout à fait. Alors Willows, c'est mon projet à la base. C'est des chansons que j'ai composées toute seule à la guitare, à la voix au départ. Et je me suis entourée de musiciens. Alors on a une formule avec Paul en duo. Et aujourd'hui on a Blandine qui fait partie d'un trio avec lequel on joue assez souvent. Et puis on a aussi plein d'autres musiciens. On a une formule avec 8 personnes au total. Ah oui, carrément. Ouais. C'est un groupe à géométrie variable. C'est ça, tout à fait. Willows est né à Bordeaux. Oui, tout à fait. Ouais. Né et élevé à Bordeaux. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que Willows, c'est de la musique folk? Oui, on peut le dire. Mais pas que? Complètement. Pop, folk, après ça dépend. Les gens trouvent ce qu'ils veulent dedans en fonction de leurs influences. Oui, pour moi, c'est pop, folk. Ouais. Comment vous êtes rencontrés, Paul et Émilie et Blandine? Alors, Paul et moi. Un site de rencontre. Musical. Ah, pardon. Sur un site de rencontre. Non, musical. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Du coup, on a toujours travaillé ensemble. Voilà, et Blandine, c'est parce qu'elle joue dans un super projet qui s'appelle Sahara. Ouais. Et du coup, moi je joue aussi avec son compagnon Jérémy. Et du coup, bah voilà, comme on fait une musique qui n'est pas similaire, mais qui peut se rapporter à quelque chose de similaire, assez délicate, du coup, on s'est retrouvé à partager nos climats, et notamment le nôtre avec Willows. Quand on te compare à John Bell, c'est plutôt un compliment? Oui, bien sûr. Je sais pas, tu pourrais être fan de Jules, par exemple, ou de Maître Gims. Je respecte ce qu'ils font. Enfin, heureusement qu'il y a un public pour eux, tant mieux. Mais non, John Bell, forcément. Puis surtout pour tout son engagement, c'est quelque chose que je sais pas faire, moi, mettre mon engagement politique dans les chansons. Donc je la respecte énormément. Et puis sa carrière, enfin oui, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Oui. And after a while, I'm trying to cook them on a hot frying pan. Cause now it's too late.
Willows, on vous applaudit aujourd'hui au Love 33. On peut vous applaudir où et quand? Cette émission est diffusée en octobre. Alors en octobre, ça sera parfait parce qu'on pourra jouer au Love 33 le 20 octobre précisément. Ouais. Alors on sera dans une autre formule, on aura, Blandine ne sera pas là parce qu'elle part en tournée avec Sahara. Mais on aura Quentin Gendreau, un émérite violoncelliste bordelais qui nous accompagnera, on sera en trio. Voilà. Et après il y aura d'autres dates en préparation, notamment, mais bon je ne sais pas si on peut l'annoncer. Le 17 novembre avec une artiste qui s'appelle Queen of the Mido et ce sera dans une église, je ne dis pas exactement l'adresse pour le moment, mais ça va être un beau moment. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur leur magnifique t-shirt, nous sommes ici au Loft 33. Merci de nous accueillir, Olivier, François, les téléspectateurs de TV7. Les présentations sont faites. Merci Patrick. Merci d'être avec nous en tout cas pour Ça part en live cette semaine. Le Loft 33, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est un lieu chaleureux, convivial. L'histoire du Loft, est-ce que c'est la suite logique de l'histoire du Loft 33 pour ceux qui ont connu Andernos? Je pense, ouais. Ouais, je pense, parce que moi j'ai participé d'un point de vue technique à l'époque à l'aventure d'Olivier. Mmh. Et puis la mise en place du lieu que j'ai trouvé plutôt sympathique, le challenge, et puis la rencontre du personnage, hein, parce que c'est un personnage. Ouais, il est haut en couleur, il paraît pas comme ça. Oui, il paraît pas, et puis il est haut, tout en blanc. Voilà, et ouais, on a mis quelques années, et puis oui, c'est la suite logique, et voilà, la rencontre, je pense que ça parle, le lieu parle de lui-même, quoi, sur notre rencontre. Je le disais en début d'émission, le quartier des bassins à flots, c'est un quartier en pleine mutation. Pourquoi choisir ce quartier? Pourquoi pas à Bordeaux-Centre, je sais pas, ou comme le B11, par exemple, qui lui s'est installé à Mérignac? Je pense que c'est un peu le hasard. Ouais. En fait, à la base, ouais, c'est un peu le hasard. On cherchait un endroit vraiment en vue. C'était une des conditions qu'on s'était mises tous les deux. Avec vue sur mer. Voilà, en l'occurrence. Et le hasard a fait qu'on est tombé sur ce lieu qui nous a emballés tous les deux. Et à partir de là, on a tout fait pour pouvoir s'implanter là. Scène que vous découvrez derrière avec nos invités cette semaine, le groupe Willows. Quel type d'artiste accueillez-vous? Mais on aime tous les styles, en réalité on n'est pas... On n'a pas de frein sur ce qu'on veut écouter, on veut essayer de proposer un choix le plus large possible. C'est pour ça qu'on a mis en place tous les jeudis soirs une scène ouverte pour découvrir de nouveaux talents. Mmh. Après le vendredi et samedi, ça peut être de la pop, ça peut être du rock, ça peut être... tout ce qu'on veut. Et le dimanche soir, en revanche, c'est très spécifique. On veut vraiment faire des concerts dédiés au jazz, faire une soirée vraiment de jazz. Mmh. C'était important pour nous. Puis après, Willow, c'est pour moi, c'est un groupe extraordinaire. Ils s'est féerique quand elles chantent. Et ça fait du bien dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Ouais. C'est vrai que tu es vraiment fan. Hein. Olivier m'a parlé du groupe Willows. On fait un Ça part en live ensemble, d'accord. Mais avec le groupe Willows, on le fait pas. En gros, c'était quasiment ça. Ah ben ouais, j'aime vraiment beaucoup leur univers et je trouve qu'ils nous transportent et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. 10 years ago, all these tears will not fall. They would start.
on fait plaisir aux musiciens qui cherchent toujours des endroits qui accueillent du live. C'est vrai qu'en 2018, beaucoup de scènes ont fermé. Heureusement, des endroits comme le Loft 33 ont ouvert. Comment ça s'est passé, le bouche à oreille avec les musiciens? Ils ont vite su que vous étiez là, que, je pense que vous êtes booké jusqu'en 2054, non? 2018, oui, pardon. 2018, oui, c'est fini, ça c'est sûr. Là, donc, on va commencer la programmation 2019 d'ici à peu près 3 semaines. Donc, moi, imaginons, hein, je suis batteur dans un groupe de rock. Je veux venir jouer au Loft 33, je veux venir jouer quand? On imagine, hein, c'est juste à partir du 1er janvier 2019, on va recommencer la prog, donc tout est possible. Avant de se quitter, juste 2 ou 3 artistes comme ça à nous citer. On diffuse cette émission en octobre. Quelques noms de groupes qui vont venir. Il y a les incontournables, il y a Lawrence qui va revenir. Lawrence Collins. Ça c'est, voilà. Il y a le groupe Echo. Il va y avoir le groupe Mo, Rise to Cat. Ouais. Un trio un peu improbable. Bah, leur nom est issu des Aristochats, donc ça. Que des artistes locaux, hein. Oui, ouais, que d'accord, des gens c'est 100% local, le 33. Ouais, ouais. D'accord. Bah, après, voilà, on a eu des exceptions avec Sam Stoner ou Tom Frager, mais autrement, ouais, c'est que des Tom gens. Tom Frager, c'est le Sud-Ouest. Oui. Ouais, mais autrement, voilà, c'est que des gens de chez nous. Hein. Que de poésie cette semaine dans Sa part en live sur TV7. C'était Willows en direct du Loft 33. On se retrouve très prochainement pour Sa part en live sur TV7.